Mes frères et sœurs dans les cieux, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je suis sorti de mon côté en pile pour me rejoindre famille, amis, qui sont en Chili, Haïti, Brésil, Saint-Domingue, Guyane et l'autre côté de la cité. Je suis content pour me capable de rejoindre aujourd'hui et que bon Dieu bénisse. Et nous portons un si bel sujet pour vous. Je crois que vous pouvez bénir avec nous là, la gloire de Dieu. Ok? Qui ça dit que comment être un témoin efficace de Christ dans ce monde si perverti? Comment être un témoin efficace de Christ dans ce monde si perverti? Juste avant nous entrer dans le détail ou bien développement du sujet ça, dans Maxime, nous voulons définir pour le mot témoin. Ok? Suivez-nous avec un pile attention pour capable bénir à la gloire de Dieu. Témoin, c'est un monde qui a une capacité pour les rapporter un fait ou bien une situation de ta vie, si nous apprenons dans ce sens. Ok? Et pour ces témoins efficaces de Christ, premièrement, on a besoin de connaître qui est Christ. Qui est Jésus-Christ lui-même lié? Ok? Et apôtre Jean lui écrit en 1 Jean, chapitre 1, le verset 1 à 3, il dit: ça nous te qu'on après et nous te qu'on a contemplé et mais nous te qu'on a touché tout, je dis à ma annoncer au Dieu. Alléluia. Il dit au commencement, parce que ça non, Jean 1er, le verset 1er, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qui était la parole? Jésus-Christ. Ça veut dire ça, nous t'avons attendu concernant la parole de Dieu et nous avons vécu. Vous comprenez? Et nous avons touché à nous. Je veux dire, nous avons parlé au délit. Alléluia. Je te dis que vous avez dit. Pour ce témoin efficace de Christ, pour qu'on connaisse Christ, il n'y a pas qu'un témoin efficace de Christ sans pas qu'on connaisse Jésus. Eh bien, nous-mêmes qui avons expérimenté une nouvelle vie en Jésus-Christ, je dis, moi et ma femme Maxime, que Christ pouvait prendre bien loin, quand nous avons expérimenté une nouvelle vie en Jésus-Christ, je dis, nous devons manifester ça, l'amour de Jésus, et pardon de peine, en parole et en mode de vie, nous mené. Ok? Si j'ai de côté nous avons hein? Pour bêtises nous avons commis à corps nous, dans l'esprit nous, des bagages nous avons fait, mais Christ pour nous prendre, nous mettre nous fit à la vie, déjà, juste nous-mêmes tout. Nous devons manifester l'amour Jésus-Christ pour nous, et pardon, il fait nous, dans la parole, en parole et dans le mode de vie, nous avons. Ok, parmi les thèmes, nous c'est comment être un témoin efficace de Christ dans ce monde si perverti. Pour ces témoins efficaces de Christ dans ce monde si perverti, il y a plusieurs éléments de base ou besoin connaître pour parler avec nous aujourd'hui. Il y a un, l'objet de notre témoignage doit être Jésus-Christ. L'objet de notre témoignage doit être Jésus-Christ. Tout témoignage, moi, objet, tout témoignage, tout ce que m'a dit, tout ce que m'a fait, nous devons faire référence à Jésus-Christ. Quand tu saisis ça m'a dit, tu dois bénir. Tout ça m'a fait, moi devons faire référence à Jésus-Christ. Amen. Apôtre Paul définit l'évangile comme la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ. Hein? Et Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 4. Qui ça dit? Qui ça apôtre Paul dit?
Il dit, si nous pas ta expliquer vraiment le sacrifice de Christ, c'est que nous pas annoncer vraiment l'évangile. Alléluia. Si nous pas ta expliquer vraiment et le sacrifice de Christ, c'est que nous pas annoncer l'évangile. Mais qui est-ce qui va expliquer dans la rue, dans le travail là? Si on dit que c'est un témoin efficace de Christ, dans le travail là, dans l'école là, dès qu'il soit parlé. Alléluia. On va ça tout en disant dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, et dans Romains le chapitre, Romains 10, le verset 9 à 10. Apôtre Paul quand il dit dans Romains dans 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 2 il dit moi pas besoin qu'on ait rien encore moi pas gain dans pensée pour qu'on ait rien encore que Jésus-Christ Christ crucifié. Alléluia. Moi pas gain dans pensée pour qu'on ait rien encore de nous seulement que Jésus-Christ Christ crucifié. C'est ça, premier objectif comme témoin efficace de Christ, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Premier objectif, ou même ou besoin de gagner. Premier élément de base, ça, faut que vous connaissiez. Faut que vous ayez gagné l'envie. Ok? Et puis, il y a un bagage qui est important encore en tant élément de base, ça. Qui ça les amis? Vraiment, famille, en a la même. Qui ça les? C'est que Christ, Jésus-Christ, est le seul chemin du salut. Pas de l'autre encore. Pas de l'autre chemin encore. Pas de aucun autre côté encore capable de vivre la vie éternelle que dans Jésus-Christ. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Acte 4, le verset 12. Pas de l'autre chemin encore ou capable de vivre la vie éternelle. Seulement dans Jésus-Christ. Seulement dans Jésus-Christ qui gagne la vie éternelle. Pas de l'autre côté encore. Ok? C'est le premier élément de base ou besoin qu'on ait pour est-ce que ou même où c'est témoin efficace de Christ dans ce monde si perverti. Est-ce que objet tout témoignage yo fait référence à Jésus-Christ? Est-ce que on parlait de Jésus-Christ? Est-ce que ou fait sentir que Christ a vivant dans comme témoin efficace de Christ dans ce monde si perverti? En allant deuxième élément de base pour nous parler de témoin efficace de Christ dans ce monde si perverti. La source et la puissance de notre témoignage doit être le Saint-Esprit. La source de la puissance de notre témoignage doit être le Saint-Esprit. Faut que tu aies cet esprit en dedans. Faut que tu aies ça qui va sortir. C'est l'esprit qui va guider. Faut que c'est pas au cap parler les hommes, même leur parler à. Faut que tu aies pas ouais c'est l'homme non même qui parler. C'est Christ, c'est l'esprit bon Dieu qui a guidé, oui. C'est ça, oui. Sous tout témoignage, il doit le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui transforme nos vies d'une manière visible à tous. C'est le Saint-Esprit qui a transformé nos vies. Pour ce qu'on a fait, pour vivre ce qu'on a fait. C'est celle le Saint-Esprit qui peut transformer vie. Pour dire oui. Pour dire oui, monsieur, c'est témoin de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on sentit ça dans vous? Est-ce qu'on sentit ça vous-même? Est-ce qu'on sentit vie transformée comme témoin de Jésus-Christ? Oh. Merci pour le message à Jésus. Merci. Merci, monsieur, tu m'as béni moi-même. Monsieur, tu m'as béni. La source de la puissance de notre témoignage doit être le Saint-Esprit. Il y a un bagage qui est important. Oui, on a témoigné vraiment. Mais nous devons passer beaucoup de temps dans la prière pour nous consacrer la puissance de l'Esprit.
Pour nous gagner sacré la puissance de l'esprit, nous besoin passer beaucoup de temps dans la prière. Et que pour la lumière qui est noire, pour briller en face tout le monde et pour reconnaître la puissance de Dieu dans Matthieu 5, le verset 16. Vous comprenez? Faut que la lumière qui est noire, faut que lui brille. Faut que le monde reconnaisse la lumière qui est noire, faut que lui brille en face. Yo, faut que la reconnaisse la puissance de mon Dieu. C'est ça qui dit que vous êtes témoin de Christ. Je ne sais pas si vous réalisez ce genre de là. Je ne sais pas si vous sentez la vérité, ma force, ma force comprendre là aujourd'hui. Pour parler de témoin efficace de Christ, il faut que la lumière qui est là, il faut que la brille en face tout le monde. Alléluia. Ça, c'est le deuxième élément de base pour parler de témoin efficace de Christ dans ce monde cyberverti. Troisième élément de base pour parler de témoin efficace de Christ dans ce monde cyberverti, c'est la validité de notre témoignage doit être manifestée par notre vie. Faut bien témoigner ça va dire. Faut bien témoigner ça va faire aux amis, faut accepter, faut mieux. On va pas dire un bagage et puis pour vivre comportement, attitude ou action, à dire l'autre bagage. Oh oh, ah, c'est pas comme ça. Pour ces témoins efficaces de Christ, faut bien même refléter Christ. Comportement, refléter Christ. Attitude, refléter Christ. Alléluia. Alléluia. Faut que ça m'a dit, comportement, moi, faut que refléter Christ, faut que vous Christ là-dedans. Yo. Hein? La validité de notre témoignage doit être manifestée par notre vie. C'est ça. Et puis, ça nous vient de c'est dans Philippiens 2, verset 15. Philippiens 2, fixer objectif ça. Qui ça le dit? Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Faut vivre propre, faut vivre pas gain des faux. Faut que c'est des enfants de Dieu, faut que ouais ça, faut que le monde témoigne ça pour parler de témoin efficace de Christ dans ce monde si perverti. Faut vivre témoigner ça même. C'est pas au quoi parler dans bouche pas à moi ma suivre Christ, c'est serviteur de Dieu. Non. Faut que le monde témoigne que vous-même vous êtes serviteur de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Et puis il dit, faut que nous brillions comme des flambeaux dans le monde. Faut que nous brillions comme des flambeaux dans le monde. Faut que vous brillez, frère. Faut que vous brillez, frère, amis, famille. Faut que vous brillez. Faut que vous brillez. Vous comprenez? Faut que vous brillez. Chacun de nous, faut que vous brillez. Et puis il dit, Frio pral manifester. Frio pral manifester si nous étions demeurés dans Jésus-Christ. Qui frio c'est? Frio les fruits de l'esprit. C'est les fruits de l'esprit parce que faut que vous priez, vous priez pour que vous manifestez dans la vie pour le monde. Ouais ça. Et puis, il y a un bagage qui est plus important, frère. Famille, amis, m'a dit vous dire. C'est de vous familiariser avec les Écritures. Familiarisez-vous avec la parole de Dieu. Faites la parole de Dieu en main. Tout ce qu'on fait, mettez la parole de Dieu en dedans. En main et remettez la Bible. Hein? C'est ça pour faire une connaissance de Christ là où vous dites c'était moins. C'est ça pour faire qu'on va parler de lui que vous nous dites c'était moins de lui. Alléluia. C'est ça pour faire qu'on va parler de lui. Oui. Oh. C'est le pasteur qui va parler de lui. Et puis, il dit qu'il faut qu'on toujours prêt pour défendre l'espérance qui est en vous, devant quiconque vous demande raison. Soyez toujours prêt à défendre l'espérance qui est en vous, devant quiconque vous demande raison. Vous voyez ça, c'est dans 1 Pierre 3, verset 15. 1 Pierre 3, verset 15, vous voyez ça. Il dit soyez toujours prêt à défendre l'espérance qui est en vous devant quiconque vous demande raison.
Si vous n'avez pas connaissance de la Bible, si vous n'avez pas lire la Bible, si vous n'avez pas fait la parole de Dieu, amis, comment vous allez défendre l'espérance qui nous voit? Qui nous voit? Comment vous allez défendre? Comment vous allez défendre nous? Qui sont prêts à dire délit? Qui sont prêts à dire délit? Pas bien, hein, on va prêter mieux. Parce qu'on n'a pas de connaissance de la parole de Dieu. On n'a pas fait les écritures en mieux. On n'a pas fait la parole de Dieu en mieux. Même si on a un téléphone, tout ça va faire. Après, tout ce qu'on a pris, le téléphone ou en main. Mais c'est comme ça. Zan mi frèm, se mi kap, koute m la. Fè la parol de Dieu zan mi ou. Fè la parol de Dieu zan mi ou. Et puis, pendant ça, priez pou bon Dieu ba ou okasyon. Parce que gen moun bon Dieu gida prepare ke ou même pou tan de mesaj sa, le mesaj du salut. Priez bon Dieu pou mette pou ba ou okasyon pou partager avec moun bon Dieu gida prepare ke ou pou tan de le mesaj du salut. Parce que ou di ou se témoin de Christ. Parce qu'on dit c'est témoin de Christ pour y être. Faut qu'on prie bon Dieu pour mettre le monde sous chemin pour partager le message ça. C'est ça, c'est mission ça, oui. C'est la première mission nous gagner comme témoin de Christ. Parce qu'elle dit, allez, faites des disciples. Faites des disciples. Ou même comme témoin de Christ, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce monde si perverti. Ou nous c'est témoin de Christ dans le monde ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait disciples? Est-ce qu'on travaille pour Christ vraiment? Alléluia. Je souhaite que vous travaillez pour Christ, comme témoin de Christ. Je dis là. Je souhaite que vous fassiez témoin, vous fassiez disciple pour Christ. Je dis là. C'était frère Fritznel. Que mon Dieu capable de bénir. Restez avec la paix de Dieu. Moi, mon père. Juste à nous. Alléluia.